Bonjour à tous et à toutes, c'est Funky Technology et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc aujourd'hui ça sera sur un téléphone portable, donc le nouveau téléphone portable à ma mère, parce que bon, le sien allait avoir 3 ans au mois de mai, hein, donc il avait fait son temps. D'ailleurs la vidéo de déballage est sur ma chaîne, hein, pour ceux qui l'avaient pas encore, pour ceux qui l'avaient pas vu. Et sa souris optique merdait en fait, on pouvait plus descendre, on pouvait plus rien faire en fait, on pouvait juste cliquer, mais bon, voilà quoi, c'est pas très pratique, hein. Donc du coup elle a demandé à le changer. Elle a donc pris le BlackBerry 9720, donc voilà, un très bon produit, hein, qui a de très bonnes critiques. Donc avec son forfait actuel, elle devait l'avoir à 50,43 €. Donc mes parents ont gueulé un peu parce que disons que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont chez eux. Et ils nous ont jamais fait de prix ni rien. Voilà, et mon père les a menacés de changer d'opérateur s'ils ne nous faisaient pas un prix. Et finalement, ils nous l'ont fait à 50 € de moins, donc 2,43 €. Donc voilà. Donc voilà. Donc on l'a reçu ce matin en Colissimo. Voilà. Donc on va faire tout de suite la vie. On va tout de suite ouvrir ce carton. Donc j'ai toujours du mal, hein. Un côté d'ouvert, l'autre côté, normalement ça doit être bon aussi. Donc, ma mère aurait préféré avoir le 9720 curve, parce que la différence entre celui-là et le 9720 curve, c'est que le curve n'est pas tactile, et que celui-là est tactile. Donc ma mère pense avoir un peu de mal avec le tactile, mais bon, je vais lui expliquer. Mais il y a une souris optique, donc normalement ça peut le faire. Donc voilà. Alors ici on y voit la boîte du 9720, donc voilà, donc on y reviendra en détail après. Ici on a le coupon retour pour le service après-vente, voilà, au cas où il y avait un problème avec le téléphone ou si on voulait annuler la commande. Ici on a, oula, par contre je vois un prix 50,40 €, je vais voir si mes parents... Enfin, c'est peut-être le prix de base, mais c'est bizarre, ils ont mis 50,40 €, je trouve ça bizarre, on verra bien ça avec mes parents. Et puis là, on a encore de la paperasse, hein, mobile protégé, et mon mobile et ma santé, toujours les trucs, Bouygues Télécom, qui nous font chier. Alors voilà, alors ici, on a la boîte du BlackBerry 9720, donc voilà. Donc, une boîte assez sobre, hein, voilà, ici avec tous les codes et caractéristiques des modèles. Donc le modèle, c'est le RF-U80W, donc il est de couleur noire. Là, on a des spécifications dans diverses langues. Et là, on a des précautions dans diverses langues aussi. Et là, on voit BlackBerry en relief. On va tout de suite procéder au déballage. Donc, je crois qu'il... Alors, je vais essayer de vous regarder les spécifications du téléphone. Donc, par contre, je vois pas trop ce que c'est. Pour moi, il doit y avoir une notice. Donc, je sais qu'il a un écran tactile et une souris optique. Je crois qu'il a un processeur Qualcomm, il me semble, hein. Je suis pas trop sûr encore, enfin bon, on va bien voir après. Donc ici on a le BlackBerry 9720, voilà, donc on fera un petit tour du propriétaire après, voilà. Alors ensuite dans la boîte, alors on y voit, alors ici, on y voit les consignes de sécurité et le guide de démarrage rapide. Là, on a les écouteurs sur une prise jack 3.5, comme ceci. Ici, on a le câble USB avec au bout, normalement, la prise pour brancher sur le téléphone. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit pas très très bien. Mais bon. Hop. Et là, on a les fameux chargeurs avec qui se branchent en USB et ensuite sur prise secteur. Et là, on a la batterie. Hop. Donc je vais pas vous l'allumer dans cette vidéo parce que je suis pas sûr que la caméra va tenir jusqu'au bout, que j'ai pas encore trop de batterie, donc je vous ferai peut-être une review plus tard, normalement. Donc on va enlever les protections d'écran. Hop, voilà.
Donc ici, on a l'écran tactile de 2,28 pouces, là, le bouton raccrocher, appel, bouton BlackBerry, bouton retour, la souris optique et le clavier AZERTY. Un appareil photo 5 mégapixels, prise jack 3.5, ici ça doit être pour déverrouiller le téléphone, il me semble. Là, c'est lorsqu'on reçoit un message. En dessous, on a l'encoche pour la batterie et le bouton, ça c'est le micro, pardon. Ou alors le micro, il est là, je sais pas. Soit c'est le bouton pour initialiser ou le micro, et là ça doit être... Non, là je pense que c'est le bouton pour initialiser, là c'est le micro. Là c'est la prise chargeur et le bouton BlackBerry Messenger. Alors on va mettre la batterie et on va arrêter la vidéo ici. Appréciez que la batterie est une BlackBerry JS1. Hop, comme ceci. Donc voilà. Alors, bah voilà, c'était la vidéo de déballage du blog.